Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est glace noire. La glace noire, c'est quoi? C'est ceci. C'est une sorte de glaçon, en fait, tout simplement, qui est noir. Voilà. Hein, quand c'est noir, c'est de la glace noire. Et donc, ça se trouve un petit peu partout dans la neige. Un petit peu partout dans la neige. Non, c'est pas dit que ça se trouve partout dans la neige, mais vous allez en trouver. Le truc, c'est qu'il y en a besoin pour faire de l'acier renforcé. Et nous, je vous montre où je suis, et vous allez voir, je suis ici. Voilà. Alors, je suis ici, donc notre avant-poste, il est là. En fait, j'ai longé ici, regardez bien la route, ici, 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 ici. Et en fait, vous avez un chemin tout fait ici, là, carrément, tout fait. Et vous pouvez monter à cheval tranquillement. Et en plus, regardez, il y a du métal stellaire, il y avait de la fumée il y a 2 minutes, là. Je sais pas si on va la voir. Attendez. Ah, bah elle a des pop. Ah. Ah bah merde. Ah oui, je crois qu'il a des pop. Et donc oui, le chemin est là, là. Ah non, 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 regardez, la fumée qui est là, là. C'est du métal stellaire. Pour faire du métal stellaire, il faut de l'explosif. Et du coup, le métal stellaire, c'est vraiment badass. Donc ici, là, vous avez carrément le chemin. Et ça descend tranquillement jusqu'à chez moi. Voilà, si je passe par là. Tout simplement. Donc du coup, c'est pas mal. En plus, il fait pas, bah là, il fait de plus en plus froid, mais il fait pas non plus extrêmement froid. J'arrive à tenir avec ma tenue lourde Vanilla. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, depuis quelques temps, ils ont changé, parce qu'avant c'était pas comme ça. Toutes les tenues sont passées à 1-1. Toutes les tenues sont passées à 1-1. Voilà, tout simplement. Alors qu'avant, souvenez-vous, il y avait des tenues qui résistaient au froid, d'autres qui étaient mieux pour la chaleur. Bref, il y avait plein de trucs comme ça. Maintenant, ça a plus l'air d'exister. Ce qu'il existe en retour, c'est tout simplement les potions. Voilà. Alors bon, vous allez tomber sur des petites boucles là, vous pouvez leur péter la gueule assez facilement. Et du coup, des stalactites. C'est ça que je voulais chercher comme nom, non, je crois. non, ça c'est de la glace normale, moi je la récupère pas. Faut savoir que vous mettez deux glaçons. Vous mettez deux glaçons dans le frigo, c'est illimité, hein, les gars. C'est vraiment illimité. Donc ça, c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. Là, vraiment la glace noire pour faire les frigos et surtout le métal renforcé, quoi. L'acier renforcé. Donc vous mettez de l'acier, tout simplement, plus de la glace noire égale de l'acier renforcé. Et vous en aurez grave besoin. Non, mince, je voulais pas faire ça du tout. Hop là. Tac. Excellent. Ça. Et ça stack par 500 en plus dans ma petite bête. J'aurais dû venir avec. Alors j'ai fait énormément de torches. Hein. Pour les boissons épicées là, ceux-là, infusion légèrement épicée, c'est si vous avez vraiment extrêmement froid, n'hésitez pas à en prendre. Pour débloquer la recette, je vous montre sur la carte, c'est tout simplement chez Liam. Liam, ça se trouve ici. Vous verrez, il y a un gars qui s'appelle Liam, qui est vraiment génial. Lui, vous pouvez essayer de l'endormir dès que vous arrivez sur le jeu. Bah, dès que vous arrivez sur le jeu, dès que vous avez le temps, dès que vous voulez faire vos premiers PNJ, parce qu'après il peut endormir beaucoup de monde et surtout il peut vous aider à endormir les berserkers. Là, nous on a fait différemment, vous avez vu qu'on a pris des branlés, on a préféré prendre des branlés. Voilà, donc le métal stellaire, hein, nous on reviendra en chercher, hein, du coup, parce que là j'ai pas de flèches explosives. Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Je sais même plus qu'est-ce qu'il me fallait pour faire des flèches explosives. J'ai regardé pourtant et je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Là, j'ai piqué l'épée de mon berserker. J'ai lâché ma hache un petit peu. Voilà, hop. Vous sentez que vos forces diminuent. Oh, incroyable, chef. Hop là. Voilà. Et elle est trop bien, cette épée. Ah bah il y a encore un truc. Donc vraiment ici on va être vraiment bien et en plus maintenant il y a un chemin. Je sais pas si à l'époque il y avait un chemin ou pas. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Donc voilà, ça c'est le métastélaire. Vous pouvez toujours taper dessus les gars, ça marchera pas. Hein. Faut vraiment de l'explosif. Vous pouvez toujours. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, chef. Donc après je pense que au bout d'un moment je pense que qu'on est foutu, non? Bon, en tout cas, on tient bien. Et si jamais, je vous dis, si jamais votre vie descend. Hop là. Si jamais votre vie descend, bah justement, on prend une petite infusion et tout ira bien. Donc après, ce que je pourrais faire, c'est continuer à courir comme un dératé. Je ne sais pas si j'arriverai au volcan, mais franchement, si j'arrive au volcan, ce serait trop bien. Je check ma vie en même temps, parce que. Mais mec,
Il y a moyen d'arriver au volcan. Il y a moyen d'arriver au volcan. Ah. Ah mince, c'est pas le truc, mais faut pas tomber quoi. Non, ça c'est de la glace de merde. Ok, ok. Il y a grave moyen d'arriver au volcan. Le problème du volcan, ouais, mais non, il me laissera pas aller au volcan, c'est pas possible. C'est pas la route pour aller au volcan là. Je vais tomber sur un Yeti ou une connerie pareille tout à l'heure, je vais avoir l'air malin. What? Je pensais pas arriver jusque là. Hein. Ah oui, carrément. On en est là, quoi. Mais c'est trop bien. Puis je résiste bien. Glace noire. Très bien. Très bien. Ça aussi. Ah, par contre, attention. Là, j'ai froid, je crois. Ah non, ça va. J'hallucine que j'ai que seulement très froid, quoi. Je veux dire... tout à l'heure, j'avais extrêmement froid, mais pas ici, quoi. Genre, extrêmement froid, j'avais tout à l'heure ici, là. Là où on habitait avant. Mais vraiment, quand je dis extrêmement froid, même avec la tenue là, c'était insupportable. Et là, alors, j'arrive à gérer le truc. Je sais pas, je comprends pas. Je suis un peu perplexe, hein. Je m'attendais à mourir je ne sais combien de fois et tout. Et là je me retrouve presque... Bon, de toute façon là je peux pas aller. Hein. Là, le volcan... le problème du volcan... Donc le volcan c'est bien parce qu'il y a de l'or. Ah, très froid. Non mais ça baisse pas ma vie, c'est bon. Le problème du volcan c'est que tout simplement le volcan... Non non je veux pas y aller, je sais bien. Le truc qu'il y a de bien au volcan qui est très important à aller chercher c'est l'or et j'en aurais besoin mais je vais pas faire le con, je vais pas faire le con dans cette vidéo, ça sert à rien de jouer les héros, on trouvera une autre solution pour aller au volcan, on évitera de passer par là, non c'est trop dangereux, c'est trop dangereux, je vais rester comme ça, voilà je vais rester à pattes et là on a fait pas mal quand même mine de rien. Ouais, on a fait pas mal. Carrément. Carrément. Là, il y a de quoi faire de la scie. Il y a de quoi faire de la scie, ouais, chef. Trop bien. C'est trop cool. Ce qui est dommage, c'est que... Oui. Ah oui, je dois faire de la poudre. C'est ça. Pour faire des flèches explosives, je dois faire de la poudre. Et pour faire de la poudre... Oh, je sais plus ce qu'il me fallait. Non, pas par là. Comme ça, je vais vous montrer le chemin en même temps, les gens. Hein? Je vais faire le chemin inverse, comme ça, je vous montre le chemin que j'ai pris. Et vous allez voir, il n'y a pas d'escalade à faire. Au début, j'ai commencé à vouloir faire de l'escalade, mais en fait, il n'y a pas d'escalade à faire. Mais alors, mais pas du tout. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. Mais ils ont repop, hein? Ok, ils ont repop. Oui, de la poudre explosif. Voilà ce que je dois faire. Ah bah du coup, on va aller jusqu'à la base et je vais regarder ce qu'il faut pour la poudre explosif. Ah bah c'était déjà un cadavre, bro. Pour faire de la poudre explosif et puis du coup peut-être que je vais taquer le métastellaire dans la foulée, ce qui pourrait être pas mal. Ah, j'ai plus de stam. Alors celui-là il était là, donc c'est encore plus loin, je crois. Attendez, hein. Faut que je me faille. Ouais, c'est par là. De toute façon, il n'y a qu'à suivre les cadavres. Suivez les cadavres. Ouais, on arriverait directement en sautant, hein, je pense. Mais, en quel état? Ah ouais. Donc, pour les constructions aussi, si vous voulez passer en... Oh là, doucement. Si vous voulez passer en T3, les constructions... Si vous voulez passer... ouais, c'est ça. En T3, il y en a qui demandent de la glace noire. Mais nous, on va s'arrêter au T2, donc... après, c'est risqué au T2, parce que au T2, ben... Tu peux... on peut se faire rouler, en fait. On peut se faire tout casser, et voilà. Regardez, hop, là... Je vais monter sur le cheval. Ah, impossible de monter quand il est épuisé. Voilà. Donc, hop, et voilà. J'arrive ici, tranquillement, mais sûrement. Voilà.
Vous voyez, y a un petit chemin, c'est tranquille, c'est pépère. Y a pas de bestiole pour le moment. Et ensuite, il suffit juste de passer ici. Ouais, c'est ça. Et après, un petit peu sur la droite, là, au niveau des gens, là. Voilà. Tranquillement, mais sûrement. Ouais. Ouais. C'est pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Un draft. Oui, c'est ça. Et après, faut essayer de choper à droite là. Il va falloir essayer de choper, reprendre la route à droite là. Voilà, c'est là. Gaspillez pas toute la stam de votre cheval parce que vous aurez besoin de courir vite ici. Il y a des loups super badass. Et puis il y a le berserker surtout. Que je viens de dire à propos du loup super badass, les gens. Je me suis trompé de route. Oh! Rip. Lynx. Ouais, je me suis trompé de route. Non, j'ai plus de stam. Mammouth. Ok. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, les gens. Voilà, ici. Et du coup. Je sais pas où je suis arrivé là, mais je suis un peu paumé. Je me suis un petit peu paumé. Je me suis même grave paumé, je crois. Grave, quand je dis grave paumé, je me suis grave paumé. Hein. Je sais pas où je suis arrivé. Je cherche encore. Monsieur. Ah d'accord. Ok, non, je me suis trompé de route complètement. En fait, il fallait que je descende par la gauche. Ok, bon, bah écoutez, ça arrive. Hein. Ça arrive, même au meilleur. Du coup, pour la recette. Ah bah oui, c'était là. Pff, regardez, la montagne est là. Et en fait, il fallait aller tout droit, en fait, à la descente de la montagne. Oh, oh là 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 là. Faut tout lui apprendre, hein. Faut tout lui apprendre. Ah, par contre, attention. Pff, ici, il y a le berserker. Que je me fasse pas découper la tête, comme tout à l'heure. Voilà, tranquille. Votre suivant a gagné un level. Ouais. En fait, je me suis juste fait. Je vais vous montrer comment je me suis fait. Je vais juste checker. Hein, parce que des fois, j'ouvre la carte et puis voilà. En fait, on était là. Et moi, comme un connard, je suis descendu et j'ai fait ça. Et j'ai été ici. Et ici, non, non, non. En fait, quand je suis descendu, j'avais tout droit à faire, c'est tout. J'avais que le chemin qui était là, là. En fait, j'avais juste qu'à suivre le chemin que j'étais sur la première fois et pas prendre la droite. Donc j'y étais, hein, j'étais juste à côté. Hein. J'ai vraiment été nul. Et là, vous avez une recette aussi au pied du truc, n'oubliez pas. Une recette. Ici, j'arrive pas à poser des nasses. Il n'y a que des trucs de crustacés que j'ai réussi à poser. J'arrive pas à poser les nasses. Je ne sais pas pourquoi, si jamais quelqu'un sait, mais vu qu'on a je ne sais combien d'avance sur les vidéos, je ne verrai sûrement pas votre commentaire. Hop. Voilà. Du coup, j'ai bon essayé de tout faire pour les mettre dans l'eau. Ils considèrent qu'il n'y a pas d'eau et du coup, c'est un peu la merde. Voilà. Sachez-le. C'est un peu la merde. Mais voilà. Donc ici, c'est un avant-poste. C'est un avant-poste, mais c'est mon... C'est un peu... C'est un peu un délire, en fait. C'est un peu un délire, un délire, un délire. Parce qu'au début, j'avais dit une petite base, et vu qu'ils ont mis très 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 ou très 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 longtemps les berserkers à Etam, bah du coup Etam a été apprivoisé, et ben du coup on a eu le temps de construire et de s'amuser et de faire des conneries.
avec Rasta. Et du coup, au final, c'est devenu un cube. Et sur le cube, on a fait de la déco et puis deux trucs. En fait, c'est un cube. Mais c'est un cube assez sympa au final. C'est un cube assez sympa. Maintenant, on est en train de changer les murs. Hein, et c'est rigolo. C'est drôle. Donc, du coup, je vais pouvoir faire des frigos. Et ça, c'est cool. Je vais pouvoir faire un frigo pour ici. Et le reste va aller avec. Le reste va aller chez Rasta. Donc, tout ce qui part à chaque fois dans l'autre base. Donc, on vient là à cheval. Et tout ce qui part dans l'autre base est mis là-dedans. Voilà. Non, et moi, il faut que je garde au moins 50. Voilà. Ça peut partir là-bas. C'est tout ce qu'il y a ici en fait et qu'on a besoin là-bas. Genre les champignons, on en a besoin là-bas. Et le levain, on a besoin là-bas. Pourquoi? Pour faire des infusions. Est-ce que je vous montre? Je peux vous montrer vite fait. Il vous faudra du verre. Donc du verre. Une fois que vous avez fait votre verre, vous faites de l'eau purifiée. D'accord? Une fois que vous avez fait de l'eau purifiée, vous allez dans le fût qui est là. Hop là. Le fût qui est là. Moi, je pourrais pas faire parce que j'ai pas de miel ici, j'ai pas posé de miel. Vous mettez des fibres, du miel et du levain, d'accord, pour faire de l'hydromel. Et une fois que votre hydromel y est fait, vous pouvez tout simplement faire de la nourriture. Voilà, l'hydromel plus des champignons que vous avez vu dans l'armoire, la manite qui se trouve ici, vous faites ça. Donc moi, tout ce qui me manque, c'est juste le miel. Mais jusqu'à présent, on le fait là-bas, dans la base principale hein, qui est là. La base principale qui est là. Voilà, là où il reste là. Ah, c'est la base, la grosse base que vous avez vue plusieurs fois en vidéo, et ça c'est un délire. Et moi je m'amuse ici, je prends énormément de plaisir à jouer ici, et puis je vous dis, les machins étaient tellement longs que... je pense qu'il faut ça, on va voir. Alors, vous avez deux sortes de frigos, de boîtes de conservation, là. Donc il faut quoi ah bah il faut de l'acier renforcé, bah on va faire... De l'acier renforcé, on va faire ça. J'ai rien pour allumer le feu. Ici, je vais prendre ça. Ça. Ah bah, là, vous avez du métal stellaire. Ça ressemble à ça, mais le minerai de métal stellaire. Alors, c'est pas que j'en ai été le farm. Hein. C'est que quand j'ai tué un squelette, il en avait 5 sur lui. Voilà. Et donc là, regardez, il est en train de faire des lingots. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. J'ai fait des barres d'acier. Donc pour faire des barres d'acier, c'est des barres de fer avec du feu d'acier égale des barres d'acier. Pour faire des barres de lingots d'acier renforcé, c'est avec de la glace noire et des barres d'acier. Voilà. Donc là, ils vont en faire. Et du coup, il m'en faut combien pour faire des frigos là? Alors, on va y avoir un peu. Alors. Il faut ça et il en faut 20 et 2 bois isolés. Donc ce qu'on a le plus ici. Ceux-là, il faut du métal stellaire. Ils sont bien ceux-là. Le seul problème de ceux-là, bah, c'est qu'il faut du métal stellaire en lingots et on n'en a pas encore. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça là. Ça, je vais garder pour moi. Ouais, je vais garder pour moi. Ça, je vais garder. J'ai enlevé toutes ces torches-là. Normalement, on a un truc avec une torche dedans. Ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. J'ai fait ça parce que voilà, j'avais lancé la vidéo. Il faisait nuit. Et du coup, j'avais pris quand même pas mal de torches parce que je me suis dit, sinon, la vidéo va pas être, terrible. Hop là. Je vais. Est-ce que j'attends d'avoir les 20 trucs? Ouais, histoire de. Ouais, c'est ça. On va attendre. Hop là. Tac. Tac. Ça coûte cher en acier renforcé. Oui, il y a déjà tout ça de fait. Du coup, en berserker, on a quoi? On a Guigui qui a le sien. Ouais, Guigui a le sien. Hop là. Vous voyez, il est là. Il est zéro. Avec son épée, pareil que celle que je vais piquer. Hein, parce que moi, je l'ai piqué. Je l'ai piqué à la mienne. Hop. Ici, on a Rasta qui a le sien. Là. Level 0 aussi. Ah, j'ai soif. J'ai soif, chef. Ici, moi, j'en ai deux.
Il y en a une que j'ai commencé à aller me battre avec, elle est level 4. Celle-là, elle est level 0. Je commence à leur faire les tenues. Je leur mets celle-là parce que c'est la plus badass et surtout c'est la plus. C'est celle que je pourrais leur piquer. Je suis en train de bien les monter les trucs. Et lui, il a eu, vous souvenez, ma hache. Bah, si je lui ai passé ma hache et je lui ai piqué son épée à la place. Je sais pas s'il sait se battre avec une hache, on verra. Et quand on tue les PNJ, on essaye de récupérer quelques tenues et puis on va leur mettre des tenues. Le tigre est toujours là et ils ont toujours à manger. Voilà. Voilà, 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 voilà. Là il y a quelques hop là et qui doit avoir quelques épées qui traînent puis durci qu'on avait eu mais bon pas terrible pas terrible bah attendez je vais peut-être aller bah attendez je vais faire un truc moi je sais ce que je vais faire en attendant que les lingots se fassent là je vais aller endormir un PNJ avec vous comme ça je vais vous montrer que le PNJ c'est cool hop là que les berserkers c'est cool pour pouvoir endormir les autres berserkers. Hop. Hop là, ça du coup pour mettre ça dedans. Ok, ce qu'il faut faire, c'est que faut prendre votre. Je vais prendre ce qui est level 0. Hein. Je vais prendre elle. Hein. Faut lui enlever l'épée par contre, et il faut lui donner la massue. Si vous lui laissez l'épée, elle va sortir l'épée, d'accord. Vous lui dites de vous suivre. Voilà, tout simplement, elle va vous suivre. Tadadam, dadam. Et bien, cocotte. Moi, je vais mettre la massue aussi. Je vais prendre la corde. Est-ce que la corde est assez? Ouais, c'est bon. J'ai ma corde. Et on est parti. On va aller endormir un PNJ. Donc, vous pouvez endormir un village avec des gens comme ça. Hein. C'est des tarés. Alors, je sais pas où elle est. Elle me sait pas. Ah, c'est... Allez, on est parti. On va endormir un berserker comme ça, le temps que ça fonde, hein, on attend. Et du coup après je pose les frigos et je vous explique pour la glace. Et puis bah, pour la glace c'est pas compliqué, en fait avec une seule et une unique glace en fait, bah, du coup il est illimité votre frigo. Et surtout la nourriture ne périme plus, tout ce que vous mettez dedans ne périme plus du tout. Voilà. Alors du coup, il est où le berserker? Berserker? Boshui? Voilà, voilà comment on fait des berserkers en masse avec un autre berserker. Voilà, c'est bon, 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 c'est bon. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. Et voilà. Et vous la ramenez à la maison. Surtout, vous n'oubliez pas de garder l'épée avec vous parce que à tout moment, vous pouvez vous faire attaquer. Donc du coup, vous pouvez lui remettre l'épée et enlever la massue. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais aller endormir dans le village. Là, j'ai endormi lui, mais je vais aller dans le village, moi, un petit peu. Il faut que je regarde aussi pour les flèches explosives, parce que c'est vrai que je passe du coq un peu du coq à l'âne, là. Je vais aller voir pour les flèches explosives. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut qu'on regarde ça, qu'on aille faire du métastellaire aussi, pour qu'on commence à avoir un petit peu plus d'armes en métastellaire. Surtout qu'on a des... On a des PNJ qui sont pas trop mal à l'autre base, qui sont capables de nous faire des armes exceptionnelles, et donc du coup pourrait être intéressant. Donc ça, hop, il est dedans, c'est parfait. Toi, cocotte, toi t'es BA qui, hop là, je te laisse ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même te rendre ton épée. Voilà, je vais te rendre ton épée. On va regarder vite fait. Ouais, c'est bon, un petit peu. On va regarder vite fait. Alors, est-ce que c'est à manger ça avec lui? Ah, bah non, je vais pas faire. Je vais vous montrer là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut? Ah, du cristal. Sans feu d'acier. Du sang de démon. Ok, et du soufre. Ok, du cristal. Le seul problème, c'est que j'en ai pas ici du cristal. Faudrait que je me fasse livrer par Rastar. Ou bien que je fasse à l'autre base. Alors, c'est parti. On va faire les frigos. Enfin, on va en faire un déjà, du moins. Parce qu'il y a 20 machins. Et de toute façon, on en a besoin qu'un ici. Hein. Franchement, ici, c'est juste un avant-poste de base. Hein. C'est la poudre de lotus. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a le piment aussi. Il périme pas le piment? Non, il périme pas. Ok. Donc, il me faut un morceau de glace. Qu'est-ce que j'ai fait de ma glace tout à l'heure?
What the fuck? Ah oui, là. Alors là, on était à deux doigts de la catastrophe. Donc, je prends ça. Je pose, je sais pas, moi je vais poser mon frigo ici, là, mettons. Hop. Vous mettez juste une glace. Genre... On s'en fout. Voilà. Et vous voyez qu'elle ne périme pas. Et hop, je remets mon truc. Vous voyez qu'il ne périme pas. Je remets sur moi, il reste 12 minutes. Et pourtant, quand je le mets dedans, il périme pas. Et c'est pareil pour les bestiaux. Vous pouvez les mettre dedans. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je le mets dedans pendant que je suis ici. Vous voyez. Et tranquillement. Et celui-là, regardez, il va périmer dans 22 minutes. Hop. Ici, il ne périme plus. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là. De 22 minutes 50. Et là-dedans, il périme plus. Voilà, voilà. Et donc, c'est pas mal. Et ça marche qu'avec une seule glace. Alors, ça peut pas être pété comme ça. Mais d'un côté, faut savoir que ben, il faut tellement de trucs pour faire un machin que heureusement que ça ne périme pas. Donc, nous, à l'autre base, là-bas, on a commencé à stocker le miel aussi, à mettre le miel dans les frigos et tout ça. Et du coup, c'est pas mal. C'est pas mal parce que jusqu'à présent, c'est vrai que le miel, bah, on faisait du miel et puis on le laissait dans le truc et puis on s'en servait plus, quoi. On s'en servait plus, on faisait plus rien avec. Et du coup, c'était un petit peu la merde dans le sens où, en fait, on perdait énormément de ressources. Quoi, j'ai pas mis de machin là-dedans? Ah merde. Ok. Bref, je vais continuer à faire mon bois isolé, hein, parce que j'ai quand même toutes des fondations à faire, des murs, des machins. Elle est loin d'être finie, cette petite base, là. Hop, ça, on va mettre ça là-dedans. Métal renforcé, je vais pas mettre ça là-dedans. Et je vais lancer... Qu'est-ce qui manque? La résine. Hop, je vais lancer ça. Est-ce qu'on peut faire des comme ça? Non, pas du tout. Il faut que j'aille vraiment chercher un forgeron. Un charpentier pour aller plus vite. Voilà. Bref, les gens, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde!